Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine Happy Planner. Et pour cette semaine, vous allez voir, j'ai utilisé énormément de tampons Alphabet et j'ai sorti tout ce que j'avais en stock. Donc actuellement, ce que vous voyez à l'écran, enfin ce que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est absolument tous les tampons Alphabet que j'ai en ma possession. Donc il y a le premier alphabet là que vous voyez en premier plan sur la gauche, c'est le tampon alphabet diamant de chez Shoe & Flower. J'ai également un alphabet de chez Florilège Design et qui me semble c'est la collection hors saison, si je ne me trompe pas. Et j'ai un alphabet de chez Dans Mes Pochettes. Donc c'est le petit en noir et j'ai le pareil un alphabet de chez DLS Design que j'ai eu dans comment on appelle ça le calendrier de l'Advent justement fait par Dans Mes Pochettes. Et en fait c'est un calendrier qui est enfin pas un calendrier un alphabet qui est un peu strié, voilà. Donc celui-là, celui qui est strié, c'est DLS Design. Donc voilà, et en fait j'ai utilisé ces alphabets pour décorer mon memory, pas mon memory planner, pardon, mon happy planner. Et en fait j'ai choisi deux couleurs, j'avais envie de peps un petit peu. Voilà, j'ai envie que, voilà, que le printemps comment, s'imprègne bien dans mon happy planner. C'est vraiment le printemps, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup. J'adore regarder les fleurs dans mon jardin. D'ailleurs, je fais régulièrement une promenade dans mon jardin pour voir ce qui sort dans mon jardin. Oui, ça va bientôt faire un an que je suis dans ma nouvelle maison. Et en fait, l'année dernière, donc nous sommes arrivés au mois d'avril et j'avais adoré regarder un petit peu ce qui sortait et tout ça de mon jardin parce que bah, je ne connaissant pas, on va dire, encore le terrain de ma maison et ce qui était déjà planté et ce qui ne l'était pas, on va dire, bah voilà, il faut du coup régulièrement sortir et voir ce qu'il y a dans le jardin. Et du coup, je sais d'avance que je vais avoir envie de planter de nouvelles fleurs. J'adore les hortensias et les pivoines. Ce sont mes, je pense, deux fleurs favorites. Mais il y a tellement d'autres beautés dans la nature que je suis sûre que je vais essayer de planter d'autres choses. Et puis, bah, j'aimerais beaucoup faire un potager. Normalement, on est censé en faire un cette année, mais bon, on va commencer par un petit, je pense, pour voir comment on arrive à gérer tout ça. Bon, j'en ai déjà fait hein, dans mon ancienne maison, mais il était vraiment tout tout petit. Là, on aimerait quand même un chouï un peu plus grand, mais bon, on va voir comment ça se déroule. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que le printemps, je trouve ça très inspirant, ça rebooste l'énergie, la créativité, tout ça, c'est vraiment, ça me fait énormément de bien. J'aime pas du tout l'hiver, j'aime pas l'automne encore, ça passe parce que les couleurs restent jolies et tout, mais c'est vrai que l'hiver, voilà, moi je trouve ça déprimant l'hiver, même si bon, il y a quand même des choses intéressantes dans la nature l'hiver, mais moins je trouve que le printemps. Et puis ben voilà, j'aime pas avoir froid. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre saison favorite? Voilà. Après, c'est vrai que l'été, c'est pas mal non plus, mais voilà, voilà, j'aime bien le printemps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah voilà, du coup, voilà, j'ai alterné ma couleur bleue, la Distress, et mon violet. Enfin, c'est pas un violet, ça ressemble plus à un. Je sais plus d'ailleurs, c'est quoi la couleur du. Alors, j'ai été chercher du coup mes petits pots, enfin mes pas de Distress Oxide. Alors, à chaque fois, ça a des noms que je pense que je ne sais absolument pas prononcer. Mais ça s'appellerait. Enfin, ça s'appelle. Donc, dans les couleurs violet, là, c'est Seedless Preserve. Et dans les tons bleus, c'est Speckled Egg. Je comprends juste egg. Mais voilà, je suis excellente en anglais, ça s'entend très bien, je pense. Je pense que mon frère, donc mon frère qui est parfaitement bilingue, voire même plus que bilingue,
parce qu'il apprend plein d'autres langues à chaque fois qu'il est dans un autre pays, se moquerait bien de moi. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir utilisé mes alphabets parce que j'ai pas toujours le réflexe de les utiliser alors que je les trouve très beaux. L'alphabet diamant de chez Chou and Fleur, je le trouve vraiment magnifique. Et d'ailleurs, j'ai un petit projet pour un futur calendrier de l'Avent. Je pense que je vais utiliser cet alphabet-là. Et puis j'aime aussi beaucoup l'alphabet de chez Florilège Design. Alors c'est, je crois, hein, si je me trompe pas, c'est hors saison. Et en fait, je sais pas, le fait qu'il soit designé, voilà, un peu avec des stries d'un côté et puis on va dire plein de l'autre, je trouve que ça fait un petit côté art déco, voilà. Alors y a des, je pense, des alphabets qui doivent exister, qui soient beaucoup beaucoup plus dans le style art déco, mais en tout cas quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à de l'art déco. Et moi, le voilà, en art, l'art déco, j'aime vraiment beaucoup. J'adore voilà, comment ouais, l'art déco, l'art nouveau, tout ça, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Alors j'aime d'autres styles également, mais voilà, celui-là, voilà, ça fait un peu Gatsby, tout ça, enfin. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. En tout cas, je suis très contente du rendu de cet assemblage de lettres, du coup. Et bah, j'espère que ça vous aura inspiré aussi, comme quoi, avec pas grand-chose, on peut faire une déco, hein. Bon, on n'est pas obligé d'en avoir autant aussi, hein, des alphabets, on peut en avoir moins que ça. Mais en tout cas, ça peut constituer tout à fait une déco pour un planeur. Voilà, j'espère que cette semaine vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous!